La raison fondamentale qui fait que je vais voter Ibeka, je vais opter pour Ibeka, je veux que Ibeka soit président, c'est très simple. Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, moi je m'appelle Nuhu Cissé, je ne lui ai jamais donné ma main, on n'a jamais causé ensemble, je ne l'ai jamais contacté, je n'ai jamais été chez lui pour causer. Mais je sais que Ibeka est un homme d'État. Pourquoi? Il a dit, chers compatriotes, je ne veux pas que le Mali soit brûlé. Je ne veux pas que le Mali soit en trouble. J'accepte me retirer. J'accepte me mettre à côté. Je n'aime pas qu'on détruise ce pays-là. Ce mot, cette expression, de la part d'un homme, il y a 10 ans, j'ai promis voter pour Ibeka. Un point, un trait. Peuple malien et peuple de Bamako, moi je soutiens Ibeka pour la simple raison de sa détermination pour ce pays. Si le Mali a opté pour le changement en 1991, c'est parce que ça n'allait pas. Et ça fait 20 ans maintenant que ce changement n'a pas eu sa sens. Donc la personne qui peut être la solution, c'est Ibrahim Boubacar Keïta. Et cela pour plusieurs raisons. Cela a été démontré quand il fut ministre et quand il fut président de l'Assemblée nationale. Vraiment, je sollicite tous les Maliens et toutes les Maliennes à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta. Ma bara soro ambe galia ambe wotaye anga hera soro galia ka bo jamana ka
jamna kado jamna kono kado adafe sa fe galia ba de be jamna kono fe nganam nganam chara jamna kono awa nebe bo yirmajo netro aissata sisé awo ambi wota yo de funde kana wu ya de ko ba kono usena na ndambaranye ali era bebe ibe ka ko faso don ta ko kele mali badon ibe ka de na to fle ka ba be fu kana hakli ke kele ni ba ke bali ka to fe ko tu gute ala ye shuba era te ala du ibe ka ga to fle ni mi be so ki ke ala ka dai brama hakli be shu la ma ke nyana mama ibe ka ibi simila partout la tamoroba rpm de prevu forcé grâce à Ibeka. Sans doute Temena Malido, Ibeka Iba Kelema. C'est pourquoi il a été médaillé par Jacques Chirac, commandeur de la Légion d'honneur au Dirama. Kenyama Sabati Jamanado, Ibeka de Bankenya. Malika Lampona Kerakuba, Masa Alate Bankeme. Nous on veut avancer, Wa Mali de Menye Yelela. Ibeka la solution. Ambalmou au fond fait séance en bi ka obefu ka wali mandon abe aketo ngamne no doni on atabe mbekuma inshallah mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour entamer un grand combat.
dans 100 jours, le 29 avril, vous aurez la responsabilité de choisir le nouveau président de la République. Vous élirez l'arbitre, le guide, celui qui aura à conduire notre beau pays vers le progrès et relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés. De nombreux appels ont été lancés pour ma candidature. Celui de mon parti, le Rassemblement pour le Mali, en juillet dernier. Cet appel a été repris par une large coalition de formations, aujourd'hui rassemblée dans l'alliance IBEKA 2012. Cet élan a été amplifié par le soutien de personnalités et de plus de 800 clubs et associations. Vous êtes déjà des centaines de milliers à participer à cette nouvelle dynamique. Ce désir de changement, ce mouvement ne fait que commencer et pourtant il est déjà incroyablement puissant. Aujourd'hui, vous m'avez officiellement investi candidat. C'est avec honneur et humilité que j'accepte cette difficile mais exaltante mission. Oui, je suis le candidat du Grand Rassemblement. Oui, ensemble, nous irons vers la victoire. Je ne suis pas le candidat d'un seul parti, d'un clan ou d'un groupe d'intérêt. Je suis le candidat de tous les Maliens. Mes chers compatriotes, ce tableau est sombre, mais ce n'est pas une fatalité. Des solutions existent pour concrétiser notre rêve à tous d'un Mali fort et juste. Notre pays a besoin d'une vision d'avenir et surtout de solutions. C'est tout le sens de ma candidature. Je ferai en sorte que chacun d'entre vous puisse compter sur l'état du Mali. Et il n'existe pas de victoire facile. Mais cette voie, elle ne nous sera pas volée. Nous ne laisserons aucun pouvoir illégitime s'installer. Les musulmans ont été clairs ce matin. Ils ont dit, c'est fini au Mali, la fraude, la tricherie aux élections. Ils sont mobilisés pour qu'aucune victoire ne soit plus jamais volée au Mali. Le scrutin devra être libre et transparent. Sur ce plan, on me le dit chaque jour, le peuple sera intransigeant. Mes chers compatriotes, j'irai à votre rencontre dans les prochaines semaines pour vous présenter mon projet pour un Mali fort et juste. Dès demain, j'irai vers vous à Koulikoro, à Moti, à Tombouctou, à Kaï, à Gao, à Kidal, Sigasso, Ségou, j'en passe, Inch'Allah. Notre pays est à l'heure des choix. Lèvons-nous pour amplifier la mobilisation, car le combat commence dès aujourd'hui. Lèvons-nous pour vaincre le chômage. Lèvons-nous pour reconstruire l'école malienne. Lèvons-nous pour combattre la corruption. Lèvons-nous pour rétablir la sécurité sur tout le territoire du Mali. Lèvons-nous pour restaurer l'autorité de l'État. Peuple du Mali, lève-toi! 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 Je me rendez-vous le 29 avril 2012. Vive la République, vive le Mali.